Salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je viens vous présenter l'une des meilleures applications qui vous permet de découper ou coller des musiques. L'application s'appelle Éditeur de musique. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Après l'installation, quand vous l'ouvrez, ça sera comme ça, il suffit de faire arrière et vous serez dans l'application. Ce premier bouton vous permet par exemple de couper une musique et ça vous permet de fusionner des musiques. Ça vous permet de faire un enregistrement vocal. Ça vous permet de faire des conversions. Par exemple, vous pouvez convertir un fichier AAC en MP3 ou l'inverse. Ça vous permet par exemple de faire un mix. Ça vous permet d'augmenter le volume d'un son. Ça vous permet de convertir une vidéo en audio, etc. Donc là, je vais commencer par exemple avec ce bouton. Si vous voulez par exemple découper une musique, vous allez là, vous faites autoriser, vous allez dans galerie, choisir votre musique. Prenons par exemple ce son. Prenons par exemple ce son. Donc après avoir choisi votre musique, ça sera comme ça. Et vous allez maintenant utiliser ces deux boutons, ce bouton-là et ce bouton pour découper votre musique. Ça, c'est le bouton de fin. Là, la musique sera découpée à seulement 16 secondes. Donc si je veux plus, je tire là. Vous voyez, jusqu'à 1 minute 10. Vous pouvez tirer ça jusqu'à la fin. Voilà, là c'est jusqu'à la fin de la musique. Comme vous pouvez le voir, ici la musique fait 3 minutes 20 secondes. Donc là, par exemple, ça c'est le début. Si vous voulez par exemple si vous voulez par exemple le son à partir du milieu, vous tirez ça jusqu'au milieu. Comme ça. Donc là, ça veut dire que la musique sera découpée à partir de 1 minute 22 jusqu'à la fin, jusqu'à 3 minutes 20 secondes. Cette partie sera découpée et c'est cette partie qui sera enregistrée dans votre galerie. Si vous voulez par exemple le début de la musique, vous amenez ça jusqu'au début. Là, nous sommes au début de la musique. Là, nous sommes à la moitié de la musique. Si on tire ça comme ça sera à la fin de la musique. 3 minutes 20. Maintenant, si vous voulez du début jusqu'à la moitié de la musique, vous attrapez ça et vous amenez à la moitié de la musique, comme ça. Donc, du début à la moitié. Après avoir choisi les parties pour enregistrer, vous allez sur le V là. Ici. Vous allez mettre le titre que vous voulez. Vous écrivez ce que vous voulez. Vous pouvez effacer ça. Et écrire ce que vous voulez. Et après, vous faites d'accord. Quand vous faites d'accord, la musique sera automatiquement enregistrée dans votre galerie. Après, vous pouvez par exemple utiliser cette option pour fusionner des musiques. Vous pouvez par exemple coller deux, trois musiques ensemble. Il suffit de venir là. Vous allez dans Galerie. Et dans Galerie, vous verrez toutes vos musiques. Vous choisissez votre première musique, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Vous choisissez comme vous voulez. Là, par exemple, j'ai choisi cinq musiques. Et ces cinq musiques seront collées ensemble. Après, vous faites V. Après là. Et ici, vous pouvez mettre le titre que vous voulez. Vous pouvez effacer ça. Et mettre par exemple ce que vous voulez et après vous faites d'accord. Là, la musique est en train d'être sauvegardée et comme vous pouvez voir là, la musique fera 15 minutes 8 secondes après la fusion. Et voilà. Après, si on fait arrière, vous pouvez par exemple
utiliser cette option, vous allez sur Galerie, vous choisissez la musique que vous voulez. Si la musique est un, par exemple, MP3, vous pouvez convertir ça en AAC ou en M4A ou en WAV. C'est tout pour cette vidéo. À la prochaine. Bye bye.